Bienvenue en Espagne. En Espagne, au domaine de Müller, en terre de Tarragone, donc au sud de Barcelone, pas très loin de Reus. Donc on est sur le millésime 2020, un beau chardonnay élevé en fût. Donc on pourrait croire que comme ça vient d'Espagne, au niveau alcool, c'est assez élevé, mais finalement ça fait que 12,5. Les degrés d'alcool dans les vins, on en parle de plus en plus, c'est important. Ici, on a une belle robe jaune, brillante, jaune or. Une belle viscosité aussi. Au niveau du nez, on est plus sur des arômes de... Le premier nez, en tout cas, sur des arômes de fruits jaunes mûrs. On dirait presque un petit peu banane très mûre. Des notes un peu melon aussi, très intéressantes. Donc ça, c'était le premier nez. Et lorsqu'on agite le verre, hein, ça s'ouvre un petit peu sur des arômes un petit peu grillés. On sent qu'il y a eu un passage en bois et puis qu'il y a un beau côté solaire quand même derrière. Donc on a un nez, en tout cas, qui est très flatteur, qui est très, très agréable. Au niveau de la bouche, on a une belle matière, une belle densité de vin. On a une acidité qui est là, une acidité modérée. Au niveau de la persistance aromatique, on a les beaux arômes qu'on avait au nez, avec le boisé qui ressort un petit peu plus, avec des notes un petit peu tourbées. Donc dans son ensemble, on a une belle expression du chardonnay. Il faut se dire que c'est un chardonnay solaire, donc hein, qui a une belle, un bel ensoleillement, donc un peu plus riche, un peu plus gras, avec une belle influence boisée. Donc au niveau des accords mets vins, si vous avez des préparations de poissons, ou que ça c'est assez puissante, si, avec des intonations grillées au niveau du mode de cuisson, vous pouvez servir ce genre de chardonnay sans problème. Je pense que vous serez satisfait de l'accord. Eh bien, bonne dégustation. Au revoir.